Mesdames, messieurs, bonjour. Nous allons vers un week-end qui s'annonce hivernal avec des températures 7 à 9 degrés en dessous des moyennes de saison. Nous avons actuellement, cette dépression qui se met en place vers le sud-ouest du pays et à l'arrière, beaucoup d'instabilité sous forme d'averses essentiellement. Alors déjà, ces dernières heures, nous avons eu des averses dans l'est du pays, des pluies un petit peu plus régulières attendues d'ailleurs pour ces prochaines heures vers les Pyrénées avec de la neige sur les reliefs. Et cet après-midi, regardez, un ciel nuageux sur les trois quarts du pays. Un temps un petit peu plus calme sur l'ouest ou encore vers le pourtour méditerranéen. Quelques flocons attendus sur les différents reliefs. Les températures pour votre après-midi, seulement 16 degrés dans la capitale, 17 degrés vers Strasbourg, 12 degrés du côté de Pau et jusqu'à 20 degrés sur la Corse. Ce soir, on va voir l'arrivée de la perturbation petit à petit. Et au cours de la matinée, vous allez la retrouver du Cotentin vers les frontières du nord-est avec de la pluie, de la neige également, pluie et neige mêlée. À l'arrière, nous allons retrouver un ciel assez instable avec des giboulées, le vent qui va souffler de secteur nord jusqu'à 60 km/h et la perturbation qui sera calée donc de la Gironde jusqu'à l'est avec de la neige à très basse altitude, des averses également à l'avant et le vent qui soufflera encore jusqu'à 80 km/h. Les températures du matin avec cette couverture nuageuse, elles seront assez douces. 3 degrés du côté de Reims, c'est la minimale, jusqu'à 12 degrés à Nice en passant par 7 degrés à Bordeaux et au cours de l'après-midi, on passe largement en dessous des moyennes de saison, seulement 9 degrés attendus du côté de Nancy, 11 degrés à Paris, 12 degrés à Rennes et nous allons encore atteindre les 21 degrés autour du golfe du Lion comme du côté de Marseille. Pour la suite, très peu de changements pour la journée de dimanche. À partir de lundi, petit à petit, on aura une hausse des températures mais on restera encore en dessous des moyennes de saison. Nous allons retrouver pour ces prochains jours, dimanche encore des averses dans l'est, de la neige à haute altitude à partir de 1000 mètres. On retrouvera un temps un petit peu plus calme dans l'ouest ou encore vers le sud mais attention, le vent va souffler jusqu'à 120 km/h autour de la Méditerranée. Toujours la fraîcheur sur toute la France. Lundi, on retrouvera encore ces nuages sur la moitié nord, mais retour à un temps beaucoup plus calme et sec pour ces deux journées avant l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne qui va balayer la France d'ouest en est. Une perturbation assez active avec de bonnes pluies et le vent qui va souffler assez fort dans le nord-ouest du pays. Mais tout de suite, place au journal.